pas nos marches uniquement à Lomé, c'est des manifestations nationales que nous organisons. Et nous avons déjà commencé à discuter avec les militants des différents partis à l'intérieur pour les sensibiliser sur la nécessité même de faire en sorte que les manifestations de l'intérieur aient plus d'ampleur qu'habituellement. Tout comme nous le ferons à Lomé, nous pensons que les manifestations qui vont commencer demain devront être des signes clairs pour le régime, de manière à ce qu'ils comprennent qu'il est temps de prendre au sérieux les revendications d'un autre. Nous avons commencé le dialogue, ça va faire bientôt 2 mois, et vous remarquerez que nous n'avons pas bougé du tout en ce qui concerne les revendications de fond. Les revendications pour lesquelles les Togolais sont dans la rue depuis août 2017. Et nous pensons qu'il est temps que le régime se prononce de manière très claire sur ces revendications. Vous remarquerez que ce qui préoccupe le chef de l'État, ce ne sont pas du tout ces revendications. C'est l'organisation d'élections. Mais dans quelles conditions? Nous pensons que cette attitude n'est pas du tout raisonnable et responsable. Et de toute façon, le facilitateur, il en déduira lui-même la qualité des gens qui nous dirigent. Et donc, pour nous, c'est très important que nous reprenions les manifestations avec beaucoup d'ampleur et dans toutes les localités du Togo. Voilà. Maintenant.